Parce que dans l'après-midi, je dois travailler. Il fallait pas que je me repose un peu. Et bien, un pied, ma vie, la je passe aussi du temps dans la prière. Et parce que j'ai encore du boulot à faire. Encore du boulot à faire dans l'après-midi. Et quand même, je vais prier. Je vais encore des rencontres prophétiques avec vous. Après quelques moments d'absence, il s'agit de reprendre nos activités. Et le vendredi prochain encore, nous serons encore ici à la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier pour les femmes qui n'ont pas encore fait l'enfant. Amenez-moi les trousseaux. Amen. 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 Vous envoyez votre trousseau, je le bénis. Le mois qui va suivre, vous allez faire, vous allez témoigner, on va prendre vos noms. Vous allez partir, le mois qui va suivre, vous allez tomber enceinte. Vous allez rentrer les mois, vous allez revenir avec les témoignages. Et le vendredi prochain, ce sera pour moi l'occasion de présenter mon tout dernier album. C'est vrai que même si ça passe à la télé, le clip passe à la télé, mais c'est pas encore sur le marché. On a encore mis l'album sur le marché. Nous allons nous présenter officiellement l'album. Voilà officiellement l'album ici. Et puis le vendredi prochain, j'aurai l'occasion de prier ma nouvelle voiture. Elle m'a dit, je pars dans 3 mois trouver une voiture. Oh, mais tu es ta main, il ne peut plus partir. Voilà, donc ça serait vraiment un grand programme de vendredi prochain. Mais après, vous êtes calé, tu vois. Voilà, pardon. Ah, il est calé. Amen. 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 Dis Amen. 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 Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni dans le nom de Dieu. Regarde-le droit dans les yeux pour dire je crois ton miracle. Regarde-toi dans les yeux et puis je crois ton miracle. Tu as quelqu'un, tu as béni, tu es béni. J'ai dit, si Jésus ne faisait pas miracle, moi je n'allais pas croire en lui. Ce qui m'a maintenu dans la chrétienté, c'est miracle. Les sorciers m'avaient brisé. Vous avez un peu de temps. J'avais apprécié. Il a bien. Et tu vas le manger. Lorsque Dieu se souvenait de moi. Mais poumons étaient infectés. Jésus m'a miraculeusement guéri. Je suis allé dans l'église. J'ai fait 2 semaines. Pasteur, j'ai dit à pasteur, j'ai fait 2 semaines, je ne suis pas guéri. Le pasteur dit, bah écoute. Est-ce que tu as cru en Jésus? C'est parce que j'ai cru en Jésus. Sinon, moi, je suis musulman. Amen. Voilà, je suis né dans une famille musulmane. On m'a dit, Jésus guérit, c'est pour cela que je suis. Ouais, j'ai dit, il y a un homme qui a. Vous savez, Jésus même est prêché dans le Coran, on le reconnaît dans le Coran comme la Bible. Oui, on le reconnaît dans le Coran comme la Bible. Voilà. Il y a aussi l'évangile qu'on appelle l'Injil, ça existe aussi dans le Coran. Les musulmans reconnaissent Jésus. C'est parce qu'il ne prie pas comme nous le prions. Il reconnaît Jésus comme un prophète. C'est biblique. Oui, Amen. Amen. J'appelle le fils de Mariama. Voilà, Mariama Yoko. Quand je suis parti à l'église, j'ai dit, il faut que Jésus. On reconnaît même les miracles de Jésus dans le monde. Ce que j'ai dit n'est pas faux, c'est reconnu. Amen. Bon, il est libre. Je pars à l'église pour que Dieu me fasse un miracle. Je reste pendant 2 semaines, je ne vois pas de résultat. Et j'ai dit au
dit au pasteur, je ne suis pas guéri. Il dit, écoute, tu peux aller au ciel. Mourir, aller au ciel. Je ne suis pas venu à l'église mourir. Je suis venu parce qu'on dit Jésus guérit. Si ton Jésus n'est pas capable de m'aider, et Jésus m'a guéri. Une autre dame est venue me voir pour dire, Jésus peut te délivrer. Je lui ai dit, je ne suis pas là pour votre église. Je suis déjà là à l'église. Elle dit, je ne te parle pas d'église. Fais une expérience avec Jésus. Et Jésus s'est révélé à moi. Il m'a puissamment délivré. Il m'a délivré. La délivrance est une réalité. Voilà, la délivrance est une réalité. J'étais malade et Jésus-Christ m'a délivré. Cette chanson, j'étais malade, je suis allé voir les marabouts. C'est ma vie. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Ils m'ont dit que ça va aller haut. Je n'ai pas été guéri. C'est quand j'accepte Jésus qui a délivré. Et moi, passé, le mois passé, je n'ai pas été guéri. C'est quand j'accepte Jésus qui mon Dieu est plus fort que le sorcier. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que le petit chéo. Mon Dieu est plus fort. Mon inconscience m'a pris. La poésie. Comme un tuyau en série envoyé. Mon père est mort. Mon frère est atteint de la santé. Ma soeur est morte. Et ils m'ont ciblé depuis l'Europe. Mais pour moi, il est affecté. Il est sauvé, je te prie. Frère, la sorcellerie est une réalité. C'est une réalité. Et c'est le problème, non pas de l'Afrique. C'est un problème humain, c'est un problème général. Et personne ne pouvait me comprendre. Personne. J'en parlais autour de moi, je cherchais ses coups. Je cherchais les fiches partout. On me faisait croire que non, ça va aller. Et la médecine ne pouvait pas dire que le mal dont je souffrais. Parce qu'il était mal mystique. Je vomissais le sang à mon moment. Et j'avais peur. J'ai dit, ça ne pouvait pas être la peine. Parce que j'étais convaincu que c'était la sortie. C'était la base de mon problème. Quand vous trouvez dans cette position, c'est difficile. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Et là, il est gardé de nous. Mes nuits étaient troublées.
Je ne suis pas venu comme ça dans ce livre. Je suis venu avec l'union de l'action en combat. C'est pas le problème de l'association qui a décidé. C'est la sorcellerie. C'est parce que Dieu m'a imposé ça. Mais le roi est né. Et je fais ça avec beaucoup de passion. Tu fais ça beaucoup de passion. Oui, parce que Jésus-Christ est puissant. Il a pu montrer A plus B. Il est puissant. J'en parlais autour de moi. J'ai dit, ma soeur est morte. Je suis convaincu que les sorciers vont m'attaquer. Quelques mois après, paf. Qui va l'enlever? Voilà, continuez le sang. Délivrez-nous de la prison de Bouguer, la soupe. Délivrez-nous. Je fais toutes sortes d'examens, frères. Je vois les blancs en train de tourner. C'est pour ça que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir d'abord du ciel et après la terre. Regardez, monsieur, oh, la science nous sert de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. Alors, quand vous comprenez que les scientifiques parlaient, ils avaient une découverte. Il dit jamais de les crier. Et ça, j'aime un peu cette expression. On doit pousser loin les choses. Quand nous parlons de la sorcellerie, que ça c'est démon. Expliquez-nous. Vous savez, mon histoire, si c'était des démons, ils allaient pousser loin. Nous sommes en train de faire des recherches. Mais avant de je leur dis, c'est parce que vous-même, vous avez d'abord compris, vous-même. Que le problème, non, ben oui, hein. C'est spirituel. Et là, vous, ben, ils ont combattu la sorcellerie. Allez faire les recherches, allez-y. Ah, mais alors, mais, les blancs étaient les premiers à combattre la sorcellerie. La chasse aux sorcières. Quand ils ont souvent des débats avec nous, nous leur amenons leur histoire. Nous disons, blancs, vous avez une histoire. Vous avez combattu les sorcières. Vous les avez tués. Moi, Crasso, je ne les tue pas. Amen. Ils sont donc civilisés. Comment je respecte le droit de l'homme. Je délie le monde. Oh, quand vous regardez un peu l'inquisition, la chasse aux sorcières, amen. Les aveux, c'est avec des bastonnements. On prend les fers chauds comme maintenant. Vous connaissez les sorciers? Parce que vous connaissez bien la bouche des sorciers. Les menteurs. Mon tout le cas. Tu vois sa main dans le sac, il ne sait pas. On s'en fout. Il dit ça là, c'est pas pour moi. Ça là, c'est pour moi. C'est qui est devant ta pile. Ah bon, d'accord. Et les blonds tuent les sorciers. Et ça a pris le temps qu'ils s'en pouvaient prendre. Il vient de terminer encore. Après, on peut qu'on appelle l'an, combien? Au moins la nuit, au 15h05. 17h05. L'inquisition s'est arrêtée à partir du 17h05. C'est la fin de l'inquisition. On se connaît un cercle glorieux. Mais là, on s'est dit non! Et on n'est pas spirituel. Et vous, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé. Allez, vous. Ce qui est spirituel.